qui m'a amené à perdre mes kilos, c'est mon métier d'artiste. Je suis chanteur et l'apparence sur scène est très importante, donc pour être à l'aise dans mes costumes, il fallait que je perde ces 10 kilos que j'avais en trop. J'ai choisi Natura House sur les conseils d'un ami qui était inscrit dans le centre Natura House et qui avait eu vraiment une perte de poids spectaculaire. Donc j'ai eu vraiment envie de tenter l'expérience. J'avais fait des régimes auparavant, comme le régime Ducan, où ça a marché au départ et ensuite j'ai doublé le poids et c'était une catastrophe. Alors les principaux changements dans cette alimentation, ça a été pour moi l'abandon du sucre et des plaisirs comme la pâtisserie que j'avais l'habitude de consommer car je suis assez gourmand. Mais j'ai trouvé des alternatives avec d'autres produits comme les fruits, voilà, qui me donnent la sensation de sucre, de sucré. Et pour moi, c'était pas très très compliqué. Donc je n'ai pas repris de poids avec Natura House, et justement j'ai encore perdu du poids après la phase de stabilisation, et c'est ça qui est très important. Lionel a eu un bon état d'esprit puisqu'il a été positif, et on sous-estime très souvent l'impact psychologique sur la perte de poids, donc il avait pile la bonne mentalité. Par rapport à son métier, il avait pris de mauvaises habitudes, c'est-à-dire qu'il avait l'habitude en fin de concert d'avoir des petites collations sucrées, et ça depuis plus de 20 ans, donc ensemble on a réussi à les limiter. Pour lutter contre ces difficultés et cette habitude qui était ancrée, on a mis en place des fractionnements de repas pour qu'ils puissent conserver l'habitude de manger en mangeant plus sainement. Il arrive que les personnes continuent à perdre du poids après la phase de stabilisation, et ça encore je pense que c'est vraiment lié à l'aspect psychologique, c'est-à-dire qu'on n'a plus de contraintes, on n'a plus de freins, et là du coup le corps peut lâcher plus facilement et pour son cas perdre encore 1 kg après la stabilisation. Donc je suis diététicienne depuis 2011, donc une dizaine d'années, et il m'a fallu évoluer. L'évolution pour moi était importante, donc du coup j'ai décidé de reprendre un centre Natura House et de devenir franchise. Le travail d'équipe est hyper important dans un centre Natura House. La relation entre la diététicienne et la conseillère va permettre au client de pouvoir se sentir plus à l'aise et du coup de pouvoir arriver à son objectif le plus sereinement possible. Alors, ce qui a changé avec cette perte de poids, c'est surtout l'apparence physique et l'apparence et l'aisance que j'ai sur scène maintenant avec mon métier d'artiste.